Ça dépend, prix retail ou prix marché gris. Alors d'abord retail, hein, retail. Retail c'était 8, ouais. Et maintenant ça se revend 12. Ah 12, ouais, d'accord, ouais. 12 000, ok. Ouais. Et là en l'occurrence, là c'est 10 000 euros. Oh 10 000 euros. Salut, comment ça va? Ça va bien et vous, ça va? Tu es de Paris du coup? Je suis pas du tout de Paris, je viens deux jours ici. Pour les vacances un petit peu? Pour les vacances, pour faire du shopping, voilà quoi. Tu es d'où de base du coup? Je suis en Aveyron, près de Millau. D'accord, ok, je connais pas trop. C'est une belle ville, ça va ça? Oui, oui, enfin après on est à 30 km dans un tout petit village, mais ouais. Millau, oui, c'est sympa, ouais. Ok, du coup nous, on aimerait savoir du coup le prix de tes habits et du coup la marque. On va commencer par la chemise. La chemise, c'est une café coton, elle est à 200 euros, je crois. 200 euros, ça marche, ok. Le jean, ouais. C'est un RNT23, ouais. À 180 euros. Attends, juste avant ça, là, aussi la ceinture. La ceinture, c'est de chez moi, c'est un tout petit artisan. Ouais. C'est le sac du berger à 30 ou 50 euros, il me semble. Ensuite, voilà. Chaussures, là c'est des Gucci. Gucci, voilà. Donc 575 euros. Très bien, ouais, 575 euros. Ensuite, le cardigan, Zaggy et Voltaire. Et Voltaire, merci beaucoup, ouais, j'avais écorché le nom. À 345 euros. Ça marche. Ensuite, ton collier, juste de. Mon collier, en tout, il y en a pour 2400 euros. Ça marche. Montre, non? Pas de montre. La bague, du coup, la bague, ouais. La bague, il y en a pour 1000 euros. Et marche. La montre qui est dans le sac de ma mère que j'ai posée était à 800 euros. Et du coup, Louis Vuitton, du coup, c'est Louis quoi Vuitton, du... c'est. C'est quelle montre, du coup, la marque? Ah, c'est une Sterling. Ok, Sterling, ok. C'est une ceinture Louis Vuitton que j'ai acheté tout à l'heure. 390 euros. Ça marche. Et là, c'est une bague Gucci à 250 euros. Ça marche. Je pense que tu as tout dit, non? Je pense. Hein. Comment? Je pense que tu as tout dit. Bracelet. Oui, oui, j'ai tout dit, oui. C'est bon, il me semble. Ok. Bon, en tout cas, je te remercie. Merci beaucoup. Hein. Ben, merci à vous. Je te prie, marquant en vrai. C'est du Sandro. Sandro. Ça doit valoir 800 euros le costume. Et c'était un ensemble, j'imagine. Oui. Ok. Et la chemise, du coup? C'est la chemise, je sais pas. Je sais pas. Ok. Bon. Et vos chaussures? Et les chaussures, ça doit être les Finsbury. À 200 euros. 200 euros. Ouais. Est-ce que vous avez une montre ou un accessoire? Nickel. Bah pareil, hein, marque et prix pour voir. Victorinox, aucune idée du prix, je m'en rappelle plus. Ok, d'accord. Voilà. Et on va finir avec votre sac, je pense. Ouais, sac, le Tanner. Pareil, je me rappelle plus du prix, désolé. Je fais un bon. Vous voulez pas une fourchette, voilà. De prix? Je pense dans les 200 euros. Ah, d'accord. Ouais. Et ceinture, vous avez ceinture? Ouais, ceinture aussi, voilà. Bah, ceinture de quelle marque? Je sais pas. Hugo Boss. Hugo Boss. Oh, combien après 30 jours? Ouais, je crois que 80 euros, non? 80 euros comme ça? Ok. Bon, merci à vous, monsieur. Ça vous va? Ouais, ça nous va, c'est bon. Ça va. Vous êtes de là, ici, là, à l'hôtel, là? Non, nous on habite à côté. Ah ok, vous êtes des Ibis un petit peu? Non, un petit peu, pas trop, pas trop. Ah, pas trop. Ouais. Toi? Vite fait. Un peu quand même, non? Un babis, un petit peu, un petit peu. Bon, du coup, nous on aimerait savoir du coup le prix de vos habits et la marque. Ouais. On commence par toi, du coup le t-shirt d'abord. C'est un Bape, il vaut 60 euros. 60 euros, ok. Acheté quoi, au retail ou resale? Retail, ok. L'autre c'est un Ralph Lauren. Ralph Lauren, ouais. Du coup c'est 60 euros ici. 60 euros ici, ouais. Voilà. Ok. Après j'ai des Air Force Une Supreme. Supreme, ouais. Elle c'est un peu plus cher. Combien? C'est 500 euros au resale à peu près. 500 euros, ok. Ensuite ton petit sac là? C'est un Prada. Prada, combien à peu près? Je l'ai acheté 100 euros. Ah, c'est pour sérieux? Ouais, je l'ai acheté dans une petite boutique de friperie. Qui fait ah, ça va, tranquille, 100 balles, ok. Ensuite ton collier du coup en argent? C'est une chaîne banale, j'ai acheté 10 euros. Ok. Blazer pour commencer. Et la marque? Ah oui, la marque, bien sûr. Le costume c'est Anthony Garçon et il a 230 euros. Et c'est un ensemble, j'imagine? C'est un costume, ouais. Ensemble, c'est, okay. Ouais. Et la chemise? La chemise c'est TM Lewin, c'est une marque anglaise. Anglaise, ok. Et on a ça en fait par internet. Je crois qu'il doit avoir 5 chemises pour 100 livres. Ah, et c'est que par internet? Non, en fait, l'idéal c'est d'aller à Londres, d'en acheter une là-bas, on connaît sa taille et après on la commande par internet. Quoi. Ça marche. Ça, c'est facile. Et vos chaussures? Mes chaussures c'est 7ème largeur. Waouh! Oula! C'est une marque qui s'appelle 7ème largeur? Ouais. Waouh, ok. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Et le prix? Ouais. Elle doit être à 250 peut-être. Ok. Est-ce que vous avez une montre ou accessoire? Peut-on la voir? Alors la montre là c'est Jacquet de Rose.
Ouais, c'est que des montrées. Et là, en l'occurrence, là, c'est 10 000 euros. Oh, 10 000 euros! Wow! Ah, oui. D'accord, okay. C'est un stylé. C'est un beau cadeau, ouais. Ok, est-ce que vous avez une... Je vois que vous avez une bague. C'est une alliance. Ah, une mariage. Ah, ok, ça marche. C'est une ceinture où on est assez extrême. Hein. Ouais, je vois ça. Ouais, j'ai une ceinture, c'est une ceinture Hermès. Hermès. Combien? Trop. Le prix, à peu près? Je sais pas combien, elle doit être peut-être à 300 euros. 300? Ok, ça marche. Oui. Ah ok, il est vendu. Q fait du business. Du business, monsieur, c'est vendu. Hein. Q fait du business. Vendu. C'est comme la bourse, monsieur, faut venir vite. Hein. Voilà. Au revoir. Merci. Oui, ça va. Vous êtes de Paris même ou... Pas du tout, je suis de Luxembourg. Ah, Luxembourg, d'accord. Elle okay. Est de Paris. Voilà, moi je viens de Paris, ouais. Où t'es venu pour les vacances, pour la voir, on va dire. Voilà. On part en vacances et du coup je viens un peu chez elle avant de partir. D'accord, ça marche, ok, d'accord. Donc du coup, voilà, du coup, on aimerait savoir du coup le prix de vos habits et aussi la marque. On commence par toi du coup. Alors, le t-shirt. T-shirt Ragman, 25 euros les deux. Ouais. Et un short Ralph Lauren, on doit être, je sais pas. 150. 150 balles, ouais. Ok. Ensuite, les sneakers, du coup. Bon, ça, c'est... Vous avez l'habitude d'en voir ici, ah, oui, bah, oui. Ça, ça vaut, je sais pas, 390 euros. 390 euros, ok. Ouais. Ensuite, du coup, la sacoche Louis Vuitton. Louis Vuitton. Toujours, il faut. Puis, ouais, non, c'est pratique, comme ça, je la fais pas chier pour les, pour ouais, les portefeuilles. Combien près, je pense, 400... Ça, ça vaut 900. 900, ouais, 900, ouais. Ok, merci. Ensuite, du coup, ta belle montre, du coup. Là. Ouais, bon, ça... c'est une Rolex GMT Master 2. Wow. Acier. Ça dépend, prix retail ou prix marché gris. Alors d'abord retail. Retail c'était 8 ouais. Et maintenant ça se revend 12. Ah 12, ouais, d'accord, ouais. 12 000, ok. Ouais. Ensuite du coup, t'es brassé du coup, t'es brassé, oui j'ai compris. Bah ça c'est un Dinvan or rose, ouais. Ça vaut 410, c'est 110. Un thread, 1009. 1009, ok. Du coup, ce bracelet en cuir là. Ah non, c'est ouais, du coup, non, c'est le sac, ouais. C'est bon, pas me la faire voler. Sac, okay. Du coup, ensuite, bah, du coup, ton sac, du coup, bah, là, je me suis acheté des chaussures ouais. Des quoi, pour aller travailler des loadings. Ça, c'est pas cher ça. Loading, ok, combien à peu près, tu penses? Ça, c'est 180 euros ça, pièce. Ok, pas pièce, ok, d'accord. C'est bien pour aller travailler. Deux paires, du coup, deux paires. Hein. Voilà, exactement. Ça marche. What is the brand and the price? This brand is BAP, Bape. Bape, ok. Bass Ape. Yeah, Bape. D'accord. And the price is 70 euro. Yeah. Okay, 70 euro. Okay. And your short? At 200 euro. Euro, okay, yeah, right. 200, yeah. And your sneakers, please. Oh, this? Yes, it is. Yeah, it is. Maybe everything, my friend. maybe 100 euro. Okay, yeah. What is the brand? It's Nike. Yeah, it's just Nike. Okay, yeah. And your bag? No, it's so cheap. It's so cheap. Cheap. Yeah. But cheap. What is the price? What? This price maybe 50 euro. Okay. Yeah. And your watch? Your watch? Watch maybe I think that's me think 30 euro. Okay, right. Yeah, okay. Yeah. Okay. Casio, okay. Casio, yeah. Perfect. And your ring and it's the end. Oh, ring. Your ring. maybe 500 euro. Ah, 500 euro. Yeah. Okay. Okay. Tiffany, you know. Tiffany. Ah, it's a brand. Yeah. Yeah. Yes. Okay. Donc voilà les gars, la YouTube Money nous a bien payé, nous a bien halas, tu vois, voilà. Maintenant on a une Ferrari. Donc c'est fini maintenant, Châtelet, ça, c'est fini maintenant. Maintenant on tourne Place Vendôme, Châtelet, dans les 4. Non, pas Châtelet, c'est fini. Tu vois, Opéra, tu vois, maintenant c'est la thune, mon gars. YouTube Money, merci les abonnés, hein. C'est grâce à vous, là, les abonnés. Ah, c'est du coup à toi maintenant. Ah, du coup, le haut, c'est parti. La robe c'est Zara, ouais. 40 euros. 40 euros, je crois que je l'ai payé, ouais. Les baskets, c'est des McQueen. McQueen, combien après? Celle-là, soit 395. 395, ok, ça marche. Ensuite, du coup, ton sac... Ouais, ça c'est mon... ça c'est un sac Saint-Laurent. Celui-là, il y a 1800. 1800, ça ouais, marche, ok. C'est ça, à peu près. Ton truc, on va dire en dessous, t'as un truc en dessous ou... Non, j'ai pas, non. C'est avec la robe. Hein, brasser. Oui, non, là, j'ai rien pris aujourd'hui, là. En tout cas, merci à vous, hein. Ouais, merci à vous, j'espère que ça portera ses fruits. Le t-shirt du coup la marque Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger. Combien à peu près? Je sais pas trop comment on dit, je sais pas trop le prix, genre 40 peut-être. 40, ok. Ensuite ton jean, bien trouvé. Pull&Bear je crois. Pull&Bear ouais. Genre 15 euros je pense. 15 euros, ok.
Ensuite, tes sneakers. Pour Max 97. Yes. 200. 200, ok. T'as une ceinture ou... Non, pas de ceinture. Non. Du coup, ton bracelet aussi, du coup. Ça, c'est un cadeau et ça aussi. Cadeau, donc le prix, on sait pas trop. Un cadeau, non. Okay.